Bonjour chers téléspectateurs, on se trouve toujours au monument de l'indépendance avec les drags. Bonjour tonton. Bonjour. On a vu vous êtes rassemblés aujourd'hui pour que notre président Ibrahim Boubacar Keïta laisse le pouvoir. Êtes-vous réellement sûr qu'il va démissionner aujourd'hui? Moi je pense si j'étais à sa place, je vais démissionner. Il doit démissionner. Voyez un tel monde. C'est assez significatif, c'est assez profond et assez révélateur de la frustration de ce pays, de ce peuple. Et c'est un indicateur suffisant pour qu'il prenne la mesure de son échec et la profondeur, la gravité de la situation qui exige de lui de rendre dans la dignité et dans le respect des fonctions qu'il a occupé de rendre sa démission. Occuper une telle fonction et être confronté non pas à les balivernes, à des élucubrations sur la légalité, mais être confronté à la légitimité qui est au-dessus de la légalité. Ici, nous parlons du premier droit de la Constitution, le droit à la souveraineté du peuple et la légitimité du peuple. Cette légitimité de lui demander ce que le peuple veut. Aucune loi ne peut interdire ça. Il n'y a aucune loi pour le protéger devant la force et la vigueur de cette réclamation. Je vous remercie. Merci. Merci.